Non, je rigole, je rigole. J'ai une petite pensée pour Paul Montand. Non, je vais expliquer. 50 ans, j'ai tout de même commencé à courir très tard. Je commence à courir à l'âge de 15 ans. Donc, il faut croire maintenant que j'ai 65 ans. Bon, et très vite, je gagne quelques crosses. En 63, je suis champion du Hainaut sur 800 mètres. Et déjà, à ce moment-là, on remet le mérite sportif dans mon village à Calmel. Il y avait une équipe de Bois-de-Pelote, une équipe de Coulonneux, une équipe de joueurs à la foule. Et il faut dire que les jeunes, ils avaient la chance que le mérite sportif perdu ici. Parce que moi, la première fois que je reçois le mérite sportif, on m'avait offert un service à fumeur. Un plateau avec un porte-paquet de cigarettes, un briquet et un sanglier. Donc en 64, rebelote, je suis champion du Hainaut de nouveau sur 800 mètres. Donc on remet encore le mérite sportif. Je me dis, tiens, ils vont évoluer. À ce moment-là, on m'offre un carafon, généralement dans lequel on met la liqueur, et quand on soulève, il y a de la musique. Il n'y a que l'année d'après, donc on se retrouve en 65, ou en 65, et je vais expliquer, c'est qu'en 50 minutes, j'étais champion du Hainaut sur 800 mètres. Je crois que j'ai fait 2 minutes 7 dixièmes. Et 50 minutes après, j'étais champion du Hainaut sur 400 mètres en 52 secondes à dixième. Pour ceux qui courent à pied, je crois que M. Guet ou bien Jean-Luc Dubéleux, c'est tout de même difficile à faire ces deux disciplines avec aussi peu de temps. Et là, à ce moment-là, quand même, de nouveau, on m'a mis le mérite sportif, mais c'est fait mieux, on m'a offert une peinture. Pour ceux qui savent, depuis ce temps-là, je peins. Qu'est-ce que je pourrais dire? Je voudrais dire merci aussi aux clubs de sport qui m'organisent. En football, j'ai tout de même fait deux demi-saisons en hier avec Jean Gérard, avec le papa de Jérémy, avec Georges Stélène, avec Jean-Marie Berton, et j'étais entraîné par Hur. J'ai oublié son prénom, ça me fait. Puis après, j'ai tout de même joué 2 ans à la Mutuelle, puis après, j'ai entraîné 5 ans au football à Niguet. Je voulais remercier aussi mes clubs pour quitter la Rusta, puis après, j'ai été courir à Quimbouillère, c'est là que j'ai appris. Donc, à 41 ans, à faire des longues distances. Ce qui veut dire qu'au point de vue morphologique, quand on fait 1400 mètres et du sprint et du football, nous avons de très gros quadriceps, donc il a fallu faire maigrir ça, courir en aérobie, donc c'est autre chose comme technique. Bon, et avec les kilomètres et les kilomètres, et les conseils d'un grand monsieur qui est ici à côté de moi, je suis parvenu à 46 ans, faire 3 heures et 2 minutes au marathon. De bel oeil, nous étions seulement que 129 au départ, donc j'ai fait 42 km.